Ici, rue Ulbach, à Troyes, près de 180 locations de vélos sont enregistrées chaque mois. 40 cycles sont mis à disposition, ainsi qu'un ensemble de services à la carte. Donc derrière moi, on voit des vélos de location. Donc ce côté-là, c'est longue durée. Donc de l'autre côté, c'est courte durée. Donc c'est tout ce qui concerne d'une semaine, enfin d'une demi-journée à un mois. De l'autre côté, c'est de un mois jusqu'à un an de location. Donc sur le côté, donc il y a location de vélos avec les remorques. Et sur ce côté-ci, donc nous avons du l'hébergement remisage. Donc tout ce qui est vélo de particulier, qui peuvent le mettre en sécurité en leur proposant des prix à 5 euros par mois. Afin d'offrir un service de qualité, à la différence des Vélib, ici rien n'est gratuit. 5 euros pour une location d'une demi-journée, 40 pour un mois. Et dans tous les cas, un dépôt de caution de 150 euros est exigé. Ce service, instauré depuis le 4 juillet 2011, s'adresse également aux entreprises et collectivités. Il y a la mission locale qui nous loue 3 vélos pour toute l'année. Donc pour des jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui ont besoin de se déplacer dans le centre-ville. Dans le domaine des transports, pour la ville de Troyes, favoriser l'usage du vélo est l'une des pistes du développement durable. Premièrement, au niveau du trafic en ville, on s'est aperçu au niveau de la ville de Troyes qu'il y avait une augmentation d'environ 3% du trafic automobile par an, donc il y a un moment où c'est très difficile de circuler, on l'a constaté. On a également des problèmes de stationnement, parce que plus il y a d'automobiles qui circulent, plus il y en a aussi qui doivent se garer, donc on a un problème d'engorgement du bouchon de Champagne, du centre-ville. Donc le vélo est une alternative de circulation intéressante. Hormis le vélo, une autre solution alternative devrait être proposée d'ici peu à la Halle au vélo. Un bon espoir que pour disons le printemps prochain, puisque ça répond quand même à une demande, nous puissions proposer quelques vélos à assistance électrique en location courte dans cette Halle au vélo. L'aménagement de pistes cyclables continue en 2012. 30 km sont d'ores et déjà à disposition.